un condensateur à plaque parallèle d'air 500 cm au carré, distante de 4 mm, est raccordé à une tension de 400 volts. Calcule la charge que le condensateur peut emmagasiner. Un tel condensateur peut être représenté comme ceci. Voici les données. La tension U est de 400 volts. L'air grand A d'une des plaques vaut 500 cm au carré, c'est-à-dire 0,05 m au carré. La distance petit d entre les plaques vaut 4 mm, c'est-à-dire 4 fois 10 exposant moins 3 mètres. Ce qui est demandé, c'est la charge Q qui peut être emmagasinée par ce condensateur. Nous exprimons cette charge Q en coulomb. Et pour la trouver, nous allons appliquer ces deux formules. Le epsilon 0 vaut à peu près 8,86 fois 10 exposant moins 12 farad par mètre. En combinant ces deux formules, nous trouvons par la première que Q est égal à C fois U, et par la deuxième, nous allons remplacer le C par ce produit, et ainsi nous obtenons que Q est égal à epsilon 0 fois grand A sur petit d fois U. Nous remplaçons le epsilon 0 par 8,86 fois 10 exposant moins 12, le grand A par 0,05, le petit d par 4 fois 10 exposant moins 3 et le U par 400, comme ceci. Et c'est ainsi que nous trouvons que la charge Q cherchée vaut 4,43 fois 10 exposant moins 8 coulombs.